Ça va ou quoi les écoliers? Bande d'écoliers, va. Et vous savez que c'est ma première année depuis l'histoire de ma naissance, de ma vie, où j'ai pas de rentrée. Et de 4 ans jusqu'à maintenant, c'est la première fois de ma vie où j'ai pas une rentrée, là. Il y a 2 jours ou 3, je vous ai tweeté ça. Je vous ai tweeté, envoyez-moi vos emplois du temps. Et moi, je les réatteins live. Il y a eu 100 personnes qui m'ont envoyé leur emploi du temps, normalement. Ça veut dire, on va regarder les meilleurs emplois du temps, les pires emplois du temps. On va les noter. Vous savez quoi? On va les noter sur 10 à chaque fois. Et je suis sûr, il y en a, ils ont des emplois du temps de fou. Genre en mode, ils ont cours le samedi. Ils ont cours l'après-midi de mercredi. Bon, allez, on commence. Radiateur. Ok, ça va, il a un emploi du temps basique. Emploi du temps classique. 8h, 18h, 1h pour manger. Wesh, mardi, il a pas cours l'après-midi. Ah, mais il a cours mercredi. En fait, son mercredi et le mardi, il est inversé. Jeudi, ça va. Vendredi. Il va pas pouvoir aller à Jumoa. Vendredi, ah, trop la honte. Il va pas pouvoir aller prier. Venons, on note en mode 10, c'est un bon emploi du temps. Ça veut dire, je lui mets 6. Il est dans la moyenne, plus. Plus. Genre, c'est moyen, mais c'est moyen bien. Ouais, Chiané, il a dit 10. Mais frère, c'est quoi ton emploi du temps? T'as cours tous les jours jusqu'à 20h ou quoi pour mettre 10 là? Il est fou, lui. Wesh, il a mis 10. Mais c'est grave pas un 10, ça. Pour moi, 10, c'est... Il est là, le 10. Mais lui, il se fout de la gueule du monde. C'est un menteur, c'est un troller. Ça existe pas, ça. Il a même pas de classe. Il a même pas d'année, il a rien. En vrai, ça passe, non? Wow, mais pourquoi ils font ça? Et ça, c'est... Pour moi, c'est... Ça, c'est être un fils de... J'allais passer par 4 chemins, mais c'est être un fils de pute. Eh, mettre des emplois du temps avec des trous comme ça, là, là, là. Bon, là encore, ça va, sauf quand il a cours ici. Mais pourquoi vous faites ça? Mais c'est quoi le but? Après, il s'étonne qu'on rentre à 10h, les gens. Pourquoi? Par contre, lui, il a vraiment un emploi du temps miskin. Et attendez, les noms des profs, j'avais oublié. Il y a des profs, ils ont des noms de fous, des fois. Sommier, ça va. Villeneuve, ça va, y a pas des noms bizarres, là. Ça va, y a pas des noms bizarres, là. Ça va, en vrai, mais comment ça, ça va, en vrai? Mais y a rien qui va, là. Ça va de quoi? Moi, je lui mets 4, miskin. Je lui mets 4 sur 10. Je lui mets 4 juste parce qu'il a pas cours l'après. Il me manquerait plus. Eh non, j'ai oublié, il y avait 2 trous là. Non, voilà, je lui mets 3. Voilà, je lui mets 3. J'avais oublié qu'il y avait les 2 trous ici là. Pourquoi il y a 2 trous comme par hasard après l'histoire? J'ai un mode, il faut bien qu'il se rappelle la leçon. Ou pourquoi ils ont mis ça à chaque fois après l'histoire? Ça, VDV, V2V, il y a pire. Oui. Pourquoi il est grave large son emploi du temps? 9h20, mais pourquoi 9h20? Wesh, pourquoi c'est pas 9h tout pile? Wesh, il est bien. C'est quoi, c'est quelle classe? 4ème. En 4ème, on a des emplois du temps comme ça en 4ème. Ok. Et en fait, basique, il est normal. Pareil que le premier, je mets 6. Pareil que le premier. Genre, il est bien plus. Moi, je mets 6. Non, pas 7 sur 10. Eh, vous allez voir, c'est quoi un vrai emploi du temps? Je suis sûr, Yannick, il en a... Je suis sûr, Yannick, il va avoir un emploi du temps de psychopathe mental. Il aura des trous de partout. Il aura pas cours. Il aura jamais cours. Tofu, pas mal comme emploi du temps. Lundi, 9h, 11h. Pourquoi il cache les noms des profs? Wesh, c'est ton daron le prof ou quoi? Pourquoi il a caché les noms des profs? 9h, 11h. Oh là là, il a les fameux trous. Après anglais et après espagnol. Mercredi, maths, latin. Latin, c'est que c'est encore cette matière. Et latin, mais c'est quoi le latin déjà? Latin. Hey, je vais sur Google Images à chaque fois que j'ai besoin de savoir un truc. Je crois que j'ai jamais eu ça, moi. J'ai dit ça existe encore, mais j'ai jamais eu ça de ma vie, je crois. Latin finito. Mais t'es en quoi? T'es en CP ou quoi pour avoir latin? C'est quoi ta classe? Je sais pas si t'es dans le chat. Je suis en seconde si tu voulais savoir. Mais pourquoi vous cachez les noms de vos profs? C'est rien quoi? Je vais pas retrouver vos profs, moi. C'est quoi cette classe MCO1? C'est un BTS? Ah! Ok, 8h, midi, 13h, 15h, mardi, pareil. Quoi, mercredi, il a cours toute la journée? Mais c'est quand il a pas cours, lui, miskin, il se repose jamais. Bah, force à toi, Ahmed, tu sais quoi, je vais... Bah, je te follow déjà, j'allais dire, je vais te follow pour donner de la force, je te follow déjà. Oh, Azron, fais voir à Azron ton emploi du temps. Lundi, pas cours, de la matinée jusqu'à l'après-midi, mardi. Mais c'est quoi cette classe? T'es en quelle classe? Il y a que 2 matières, rouge et... Enfin, orange et bleu. Il a que 2 matières, c'est quoi ça? Mais il a jamais cours en plus. Mais le jeudi n'y va même pas. Et si tu y vas le jeudi. Reiro, pourquoi il est tout compressé? C'est l'inverse de tout à l'heure. Il est tout compressé son emploi du temps. J'ai même pas envie de le dire tellement il est moche. Wesh, il est trop beau lui par contre. Pourquoi il est tout coloré? Ça c'est de l'emploi du temps ça. Mais c'est quoi cet emploi du temps? On dirait il est en CM2. Wesh, t'es en quelle classe moi? Mais pourquoi c'est que des gens que je follow? Ah, parce que les gens que je follow ils se mettent en haut à chaque fois. Wesh, il est en CP ou quoi? Comment tu sais que c'est seconde? C'est seconde, c'est où vous avez vu ça? Seconde. Comment vous voyez? Mais non, c'est CP, Téma, ils te disent quand tu dois sortir, comme si tu savais pas. Regarde, il y a une horaire sortie. Genre à moi tu dois sortir. Ça peut être que CP, y'a qu'un CP où tu sais pas quand tu dois sortir. Wesh, c'est quoi ça? Ils ont mis une matière sortie. Waouh. Et après ça se préoccupe d'interdire la abeille, mais préoccupez-vous des emplois du temps avant, c'est quoi ça? 8h, 11h, un trou de 1h. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mettez des trous? Ça aussi il faut en parler, au lieu de faire des trucs de 2. Et vas-y moi, j'arrête de parler, c'est bon, allez, suivant, il m'a énervé son emploi du temps. Terminal, lundi, 8h, midi, 18h, classique. Mardi, pas cours le matin, ah si, il y a cours là.
10h midi, 14h 17h classique, 8h midi, pas cours l'après mercredi classique, 8h 18h jeudi classique. Et jeudi de toute façon c'est le pire jour de cours. Tout le monde est d'accord j'espère. Même pas question d'emploi du temps ou quoi, juste question de morale dans la tête. Le moral il est au plus bas le jeudi, je sais pas pourquoi. En fait je crois que j'ai une théorie de pourquoi jeudi c'est le pire cours, le pire jour de cours. Parce qu'en fait, lundi, on revient de week-end, donc ça va, on est encore frais. Mardi, on n'est plus trop frais, mais ça va, on a... Quand même, le week-end, c'était il y a que deux jours encore. Mercredi, on se dit qu'il n'y a pas cours l'après-midi, du coup. Ben, notre moral, il est carré. Et jeudi, ben là, on commence vraiment à être KO. On a cours toute la journée, et en plus, c'est pas le dernier jour, il reste vendredi. Je crois que c'est pour ça. Alors que vendredi, on se dit que c'est le dernier jour. Elle est bien ma théorie ou pas? Attendez, j'ai envie de lire les noms des profs, ça y est. Je veux juste trouver un blast drôle. Y a pas un blast drôle là? Blangui Belkadar. Et pourquoi les... Là, c'est pour le coup, c'est pas un prof de maths. Mais pourquoi les profs de maths, c'est toujours des arabes? Est-ce que vous aussi, vous avez eu un prof de maths arabe à chaque fois? Pas à chaque fois, mais j'ai souvent eu un prof de maths arabe, moi. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que ils sont forts en maths. Non, jamais. Ah ouais? Mais y a que moi, en fait, toute ma scolarité, j'ai eu, je crois, deux ou trois profs de maths arabe. J'avais que des blancs, moi. Prof de techno. Non, prof de techno, c'était que des vieux, moi. Que des vieux cheveux blancs avec des lunettes. Prof de techno, il savait même pas ouvrir Google. Tu lui apprenais à ouvrir une double page comme ça, il était choqué. Alors que c'est son. Eh, les profs de techno, comment ils sont trop nuls, voilà. C'est de l'arnaque, cette matière. Il est où son prof de maths, lui? Prof de maths? Bassem! Ah, Baenz! Ah, bah quoi? Baenz. Comment on le lit, ce nom? T'imagines ton prof de maths? Voilà, je viens d'avoir une vision. Je viens d'imaginer Bassem, un prof. Est-ce qu'on explique que pour préserver ne serait-ce qu'un patrimoine, on transforme des églises en boîtes de nuit? Ok, pas mal. PTDR, ouais, Zama, c'est possible finir à 22h30. Quoi? Non, c'est un montage. Ça n'existe pas ça, 22h30, mais là t'as même pas fini les cours là, ça veut dire encore. En plus c'est mardi, j'ai juré. On est mardi, il est 22h23. Elle a même pas fini les cours encore. Mais ouais, non ça n'existe pas ça. Révision, ça veut dire c'est... Ah non, reviron, c'est le nom du prof. J'ai lu révision, tech pro. Mais wesh, ah ben force à toi hein, On t'envoie de la force depuis le live, vu que t'es encore en cours. Celui-là, il va faire débat. Mais qu'est-ce que t'as? Tu lui as mis des coups de massue là, ton... Ouais, tu crois que j'arrive à lire là? Mais il y a même pas un endroit où respirer là, mais... C'est quoi cet emploi du temps? Ça existe pas, ça, c'est pas vrai, c'est un montage. Mais non, il existe pas celui-là, je crois pas. Wesh, c'est un code barre. Mercredi, jeune. Mais ouais, je venais vous asseoir, c'est bon, venez faire les blagues, vous. T'es complètement crazy. Mais non. Wesh, laissez-moi faire les blagues un peu, vous me volez les... Là, du mercredi, il jeûne, voilà. Mais tous les jours, il jeûne, là, c'est pas que le mercredi. Il jeûne le mardi, le mercredi. Horrible. 8h midi. Ok. Éducation musicale. Toi, tu dois être au collège, toi, pour avoir ça. D'ailleurs, c'est la plus grosse arnaque, cette matière. Il y a vraiment besoin de faire une matière pour la musique. Éducation physique et sportive. 3h! 3h de sport! Vous êtes des gros ou quoi dans votre classe? Pourquoi ils vous ont mis 3h? Wesh, ça c'est une classe de gros, ça je reconnais. Mais moi c'était 2h, moi. Même des fois c'était 1h. Jamais eu 3h. Eh ben, cool. C'est... J'aime bien. T'es comment ça 3h? Je sais pas. On est d'accord, il n'y a jamais eu 3h de sport d'un coup. Wesh, tu dois avoir ses courbatures à la fin. Voilà, j'ai lu Hitler. Ah! Litter. J'ai lu Litter. Prof de philo. Litter, je voulais dire. Jurez que de loin comme ça, vous avez pas lu le nom de l'autre personne. Human Litter. Ok. Philosophie. Aïssa. Vukovic, un enseignement scientifique. Jeudi, t'es bien. Oh, jeudi, comment t'es bien, toi? Wesh, même le vendredi, mais. En fait, début de semaine, t'es... Ah ouais, mais mercredi, t'as cours l'après-midi. Cinéma audiovisuel. Mais, hey, ça y est, faut arrêter d'inventer des matières pour mettre des matières. C'est quoi, c'est encore cinéma audiovisuel? Wesh, en allemand, il a DJ Deschamps. Allemand Deschamps. C'est quoi cette matière? Qui c'est qui connaît ça? Cinéma audiovisuel. Est-ce que vous aussi, vous avez une matière? Enfin, une heure de cours? Quand vous êtes au collège, c'était permanence. C'est une heure de permanence. C'était pas, il y avait un trou et vous allez en permanence. C'était la matière, c'était d'aller en permanence. Jure, ils prennent des gens pour des cons des fois. Wesh, mais laissez-moi rentrer chez moi si je dois aller en permanence. Mais ils avaient fait une heure de permanence. Wesh. Mais c'est un plateau d'échecs son emploi du temps. C'est quoi ça? Il a des trous tous les sens. C'est la marelle. C'est quoi ça? Mais j'ai juré, j'ai ça, je vais pas à l'école. Mais j'ai ça, je vais jamais à l'école. T'es fou quoi. Tu te fous de ma gueule, tu mets ça en emploi du temps. C'est magique, je suis bipolaire moi. Une heure je suis en cours, une heure je suis pas en cours. Mon cerveau il va bugger moi la fin d'année. En plus c'est quoi ces matières? C'est des plaques d'immatriculation. MAT5CS, MON50209, c'est quoi ça? Il est en quelle classe lui? C'est quoi ce truc de fou? Dîner. Comment ça dîner? Mais dîner c'est le soir non? On dit le repas à midi. Eh vas-y, de toute façon, y'a rien qui va et c'est ça qui me choque, moi. Y'a rien qui va, c'est pas le problème, c'est pas dîner le problème, là. Bon, on va arrêter sur ça, c'est bon. Eh, hey, y'en a, vous avez des emplois du temps, voilà. Eh, y'a pas eu The Emploi du temps en mode le vrai chômeur, lui qui a jamais cours. Si, y'en a eu quelques-uns, mais y'a pas eu le ultime chômeur qui a cours deux jours par semaine. Bon, prenez soin de vous, les frères, moi je vais aller dormir, je suis KO, ce live ça se voyait un peu que j'étais KO, je crois. Prenez soin de vous, allez dormir, allez faire un bisou à votre daronne, comme d'hab.
aller à l'école. Non, n'y allez pas en vrai, c'est nul d'école, ça a rien d'y aller. Allez plus à l'école. Je réponds jamais. À jamais, ma famille d'abord comme Michael et Janet. Tu me demandes mon streamer préféré, je réponds jamais.